je n'en ai pas besoin. Mais tu peux faire les petits pousses pour vous, un peu au quartier. J'ai un petit poussier, quoi. Ok, je vais y penser. Je dis que je ne t'aime plus. Et que tes mains me dégoûtent. D'ailleurs, dorénavant, toi et moi, nous ferons sur ma part. Quoi? Les femmes, vous êtes compliquées. La servante, tu la veux ou tu ne la veux pas? Je la veux, mais c'est moi qui la choisis. Ok. Monsieur Cré a une maîtresse. Quoi? Réagissez vite avant qu'il ne soit trop tard, madame. Ok. Ok, bon après-midi. Merci, au revoir. Ok, au revoir, madame. Ça, c'est l'étincelle qui va mettre le feu à la savane. Aïtopa, tu peux jurer que toi, tu n'étais pas comme ça. Mais elle va jurer! Elle va jurer! Aïtopa! Mais attends, je rêve ou quoi? J'ai cru qu'elle allait venir tomber sur nous, mais j'ai l'air là. Elle connaît pas. La zone. Oh, maman, je te reconnais. Mais libérez-vous, mesdames. Libérez-vous. Et le début de la liberté, c'est la parole. Exprimez-vous. Dites ce qu'il y a en vous. Dites-le ce que vous ressentez. Mais parlez, diantre. Mais madame aussi. Vous ne laissez pas chez elle. Je t'ai dit. Si c'était moi, de la manière, elle est tabée, elle est catafurale. Et puis attends, elle n'a rien dit. Si, elle dit maintenant, là, elle va plus se laisser faire. Non, je ne me laisse plus marcher là-dessus. Hein. C'est fini ça. C'est fini. Tu m'avais dit. Tu m'as dit, mais c'est là, non? Faut pas faire douter de toi, hein? Bon, bref. Ici, là. C'est chez moi. Tu as compris? Faut que ça soit clair entre toi et moi dès le début. Tout ce qui ici m'appartient, y compris mon mari. Tu es venu faire à manger à mon mari et non manger mon mari. Tu as compris? Je répète. Écoute-moi bien. Je dis. Tu es venu faire à manger à mon mari et non manger mon mari. Tu as compris? J'ai dit quoi? Je suis venu faire à manger à ton mari. Hein? Non, pas. Ça dit faire à manger là. Là, tu dis ça facilement. Mais manger mon mari là, tu ne peux pas dire. Quand je te parle là, pourquoi tu baisses la tête? Hein? C'est pas signe de politesse, hein? Les filles qui font ça en général sont très mal élevées. C'est quoi tu as mis la rouge à lèvres? Enlève-moi ça, vite, vite! Lève-toi. Tourne-toi. Encore. Assieds-toi. Hein? Moi-même, propriétaire, c'est que je n'ai pas là. C'est ça que tu as rempli d'un pantalon pour venir passer devant mon mari. Attends-moi, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Hé! Hey!
tes cheveux là, je vais te trouver un foulard, hein. Tes boucles d'oreilles, tout ça, faut enlever. Tes cheveux teintures, c'est pas chez moi ici. Ton maquillage là, aujourd'hui là, point final. Tu as compris? Non. Voilà, maman, vous les jeunes filles de jeunes, on vous connaît. Attends-moi, j'arrive. Je sais travailler, oui. Tu as dit quoi? Hein? Tu commences à parler derrière moi déjà. Je vais te gifler. Je vais te gifler. Tu me connais pas, hein? Tu as vu ça? Hein? Ça sera ton habit de tous les jours. Ton pantalon, hein, je ne sais pas quoi, tu as porté tes boucles dorées teintures là. Fini. Pas de maquillage dans ma maison. Si tu arrives dans ton quartier où tu fais ton hier vivre là, tu vas porter tes bêtises là. Tiens. Devant mon mari, si tu attaches ce pain là, que tu balances ton postérieur. Tu connais la morgue? Non, maman. T'as jamais été là-bas? Non, maman. Ah, ce jour-là, tu vas aller à la morgue. Tu as compris? Oui, maman. Allez, lève-toi. Va te changer vite, vite, avant qu'il n'arrive. Quel est votre problème? Eh la maman, je n'en peux plus. Mon mari se fout de moi. Il cherche toutes les petites filles du quartier. Un vrai frivole. Il suffit que je bronche un peu, il fait que me battre. Vraiment, je suis fatiguée. Silence! Il les a peur et infidèles. C'est ça même la maman. Vraiment, comment faire priorité? Tu lui as certainement donné un motif pour ça. C'est la veille, voilà, t'es venu son papa. On s'éteint. Quand la maman parle, on parle plus. Mais parce que les couples, vous aimez bien vivre dans le mensonge. Vous aimez bien vivre dans le superficiel, dans le superflu. C'est ça, non? Vous savez quoi? Une femme dans une maison a sa place. Elle doit savoir s'imposer. Et c'est à vous de décider de votre chemin. Vous avez compris? C'est vous les femmes, c'est vous qui avez besoin d'être chouchoutées. C'est vous qu'on doit vénérer. Et puis ça suffit à la fin. Passez votre temps à pleurnicher à longueur de journée. Chez moi ici, on ne pleurniche pas. Une femme doit prendre ses responsabilités. Regagne ta place. On peut passer à autre chose. Sora, maman, nous sommes là. Je vous ai fait venir pour vous dire que je vais rentrer au village. Je sais que tu ne vas pas durer là-bas. Il faut que je rentre au village. Aujourd'hui, là même. Le besoin se fait sentir. Maman, lève ton portable vite. Ton sac en est bougé, mais tu ne sens même pas. Allô? Ah, Wagan. Ça va? J'ai décidé de rentrer au village aujourd'hui même. Non, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre, il y a urgence. N'insiste pas. Ah, d'accord. Si. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Il ne faut même pas t'en faire. Ce que tu... Tu peux m'envoyer ce que tu veux. Oui, ça. Hein? Rien que la paix à la maison. Bassena. Oui, maman. Oui. Apporte-moi de l'eau à boire. C'est Akabla. Elle appelle la nouvelle servante que je lui ai. Oui, non. Je ferai tout pour régler ça. Ok, à tout à l'heure. C'est de qui? Cassiano. Ah. Attends. Comme ça en fait. Et puis passe-toi. Passe-toi comme ça. C'est quoi? Tu veux regarder le visage de qui? Hein? Quand tu te places comme ça, tu veux que qui te regarde? On est deux ici. Tu veux que qui te regarde? Hein? Méfie-toi. Il faut se. C'est quoi ça?
On n'est pas dans ton village, hein. Allez. Tu n'es pas l'avocat de Chauve. Tu as quel problème? Hein? Tu veux regarder le visage de mon mari? Allez, encore. Hein? Alors, mais dégage. Voyons, toi aussi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Arrête ça tout de suite même. Oh, tiens. Elle est muette ou quoi? Tu veux poser avec elle? En tout cas, tu as du goût. Elle a un beau visage. Elle est bien. Tu dis quoi? Oh non, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Tu aimes trop ça. Celle-là, elle va durer ici. Si elle a trop duré là, c'est une semaine. Ah, on s'amuse. Je m'amuse. Toi, bon. Amuse-moi. Je m'amuse. D'accord. Masana! Oui, maman. Viens prendre ton eau là. Pourquoi tout à l'heure tu as voulu regarder ton tonton là? Pourquoi tu voulais regarder sa fille? Non, maman. Comment non, maman? Tu servais là, tu faisais quoi? Méfie-toi, hein. Méfie-toi, hein. Tu connais train qui a cogné quelqu'un? Train qui a cogné quelqu'un? C'est pas. Si tu as regardé mon mari, mais ce que je vais te dire, c'est de te demander d'être très prudent, de bien ouvrir tes yeux, de bien regarder autour de toi. D'accord? Mm-hmm. Allez, je t'embrasse. Maman, si tu vas au village là même là, qu'est-ce qui va se passer là? Là tu vas venir là, il va commencer à la frapper ici. Il va la frapper. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Mais j'ai dit, oh, qu'est-ce que tu attendais pour faire tout ça là? Maman, souvent même je me pose la question, si Zora là c'est ma petite soeur, aïe, est-ce qu'on n'a pas échangé les bébés à l'hôpital? Non, mais tu vois qu'il y a des 15 soeurs, certaines choses. J'ai envie de cogner sa tête là au mur. C'est la doigt de la famille de sa Sandra, sinon c'est pas possible. Elle est bête comme ça. Maman, ce qu'on va faire, on va aller dire au chauffeur pour qu'il fasse descendre tes bagages et puis on va t'accompagner. Allons, on va prendre le bagage de maman. Maman, on va partir pour nous rester ici. Oui. Papillon, tu es avec la ZEP au lieu de rendez-vous? À tout à l'heure. Non, ça que j'ai ma belle-mère qui vient d'arriver. Je serai pas long. À tout à l'heure. Merci. Dis-moi, et ta tante? Elle allait au marché. Ah. Viens. J'ai les cheveux blancs. Si j'ôte mon chapeau, est-ce que tu peux me les enlever? Je veux bien. Mais pas dans la maison de la femme. Je veux une maison à moi. Rien qu'une maison à toi. Si ce n'est qu'une maison, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui ai acheté pour Akabla. Tout ce qu'il y a dehors, c'est moi qui ai acheté pour la câble. Je ferai tout ce que tu voudras. Hein? Donne-moi mon journal, tu as arrêté devant moi, on dit la chose là. Donne-moi le journal, tu es ma femme ou bien quoi? Oh, qu'est-ce que tu fais planter au salon comme ça? Devant mon mari? Non, je lui ai dit de me donner mon journal. Tu cherches mon mari, tais-toi. Non, maman. Tu cherches mon mari? Non, maman. Allez, file à la cuisine. Fais-moi cette saleté là. Goum. Ah ouais? Et ton rendez-vous d'affaires? C'est. Ça n'a pas eu lieu. Papi Joe. Sa mère est venue lui rendre visite à l'improviste. C'est ça, les Africains. Dans les affaires. Mais... moi, l'heure, c'est l'heure. Attends, c'est quoi qui s'est passé? Je file au rendez-vous, là. Je sais que Goum n'a pas honte. Mais de là à faire ça sous mon toit. Non, je n'y pense même pas. C'est pas vrai. Hein? Massé! Oui, maman. Tu cherches mon mari? Non, maman. Non, maman. Mais tu faisais quoi là? Rien, maman. Rien, maman.
Tu es venu faire un défilé de mode. Matelas reste combien? 20 matelas. Et les chaises? 25 chaises d'attente. C'est avec qui, hein? Avec 15 serviettes, patron. Voilà. Merci. Oui, patron. Tu as tout noté? Oui, j'ai tout noté, patron. Voilà. Semaine prochaine, on va remplir le magasin. Ok, pas de problème. On s'en va? Au revoir, patron. Oui, merci. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait longtemps. Ça fait une heure de temps, tu mens en plus. Ça fait longtemps. Tu mens, tu es une menteuse. Une menteuse est une voleuse. Une voleuse est une chercheuse de mari des gens. Maman. Attends-moi, j'arrive. Bon. Au marché où je suis là, j'ai trouvé une jeune fille qui va travailler pour moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose te concernant. Alors, la jeune fille va travailler au marché. Donc moi là, je vais rester à la maison. Je vais faire la cuisine pour donner à mon mari. Tu as compris? J'ai plus besoin de tes services. Tiens. Dégage! Oh! Va prendre ton marché, sors de la maison! Petite peste! C'est dans ma maison que tu as venu faire ça? Tu te prends pour qui? Quand on a pitié de vous là, vous pensez que quoi? Toi tu as mangé dans la même assiette que moi? Oui? Je comprends pourquoi toutes les nuits dans les rêves de Goun, il massine, 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 il chante. Tiens, y a quelqu'un. Massine! Sors de chez moi! Tu fais pas attention, je vais te tuer! T'as fait pitié, oh! Elle a 6 ans, elle connaît plus des maisons. Une petite partie de baignade. Faites beau temps dehors comme ça. Le contrat s'ouvre. Je ne bouge pas d'ici. Attends, et ça, Sandra? C'est ma camarade. Ça ne m'intéresse même pas. Le téléphone sonne. Moi, ça coule. Je ne bouge pas. Aïe, mais faut pas que tu enlèves le temps. Tu vas attendre la ah. Assieds-toi ici. C'est toi qui prends le téléphone d'habitude. C'est pour ça que tu es dans cette maison. Djaouri, là. Patron, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est la petite fille qui m'amène à la maison. Patron, comme vous êtes triste, je suis triste aussi. Vous pouvez me faire confiance. Je vous admire, vous êtes mon idole. Je suis prête à me sacrifier pour vous. Ah bon? Ça coule! Ça coule! Il faut pas venir prendre le téléphone. Cette boniche là, je prends pour qui? Si tu ne viens pas prendre, c'est ta patronne, c'est son qui va prendre le téléphone. Sinon, moi, je ne prends pas. Aïe, quoi, tu as vu Dieu ou bien? Maïtopa, tu ne peux pas décrocher le téléphone? Mais j'entends le téléphone sonner. C'est pas mon travail. C'est Sakoule qui doit prendre le téléphone. Je l'appelle, elle ne vient pas prendre. Ah, d'accord. Parce qu'il y a quelqu'un spécialement pour décrocher le téléphone. Bien sûr, madame. Sakoule, là, tu l'appelles pour qu'elle fasse tout ça là. Ah, c'est une autre qui doit prendre le téléphone. Moi, je suis en train d'étudier. Maïtopa, vous allez dégager de chez moi tout de suite. Je suis fatiguée de vos injures. Vous comprenez? Vous êtes très impoli, vous n'avez aucune considération pour les gens. Wadamu, c'est notre grand frère, le fils à notre maman. C'est sa maison. Vous devez aller chasser d'ici. Adam. Mais on ne va pas partir d'ici en tout cas. Maïtopa, tu me défies. Je vous donne 10 minutes pour quitter ma maison. Tu entends? Vous allez me sentir. Et puis enlève ta pied de ma table.
faut pas se passer là, on dirait les fâchés d'elle. Ça, maman, on va partir où ça? Moi, si c'est comme ça, moi, il y a les jeunes mamans au village d'elle. Tu connais tonton qui nous l'appelle marraine. Mmh. Faut appeler tonton qui va arranger ça. Ah! Tiens, tiens. Cassiano de Ouattiango. Sois le bienvenu. Assieds-toi. Merci. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ok, ça va, ça va. Tu es à Kaba? Oh, laisse-la. Laisse-la. Laisse. Sa place est au marché. Au marché. Je suis toujours au marché. Je te sers quelque chose à boire. Un brûle-moi le cœur. Oh, bon, écoute, hein, ça, c'est notre affaire, mais attention. Oui. Ça m'a été pas. Quoi? Ta reine m'a dit, on n'a pas parti. Sassandra vous a foutu dehors. J'étais assise au salon. Je suis en train de lire mon roman. Elle dit, on n'a pas parti. Qu'est-ce que vous lui avez fait? On n'a rien fait. Comment rien? Oui, comme ça, elle dit, on n'a pas parti. Ok, ok. Ne dites rien. Non, non, non. Ne faites rien. Tu arrives. Je viens. Elle dit 10 minutes, hein. Attendez, moi j'arrive. Mais que se passe-t-il encore? Ce sont mes nièces. Mes nièces là? Accompagne-moi. Ben, accompagne-moi, nous saurons plus clairement ce qui se passe là-bas. Ben, dis donc. C'est pas possible. Ben, dépêchons-nous alors. Filou, tu veux chasser en l'air? Voilà, je suis dans ta cave là. Ah, d'abord, tu es. Quel village? Moi je vais aller. Alors vous ne m'avez pas encore compris, c'est ça? Vous faites quoi ici? Mais... Vous faites quoi ici? Les 10 minutes sont passées, vous foutez pas chez moi. Sautez! On n'a pas de valise. On n'a pas de valise. Vous n'avez pas quoi? Je suis mort, j'ai un bateau. Vous deux, quand vous faites comme ça, vous n'avez pas de valise. Je suis pas tout. Laisse choquer. Il te parle, il t'a dit, Jabino, avec le commissariat là. Si on n'avait pas menti à maman là, c'est aujourd'hui là, on a la même maison. Attends, on va. Voilà, mais je vais rester. Pour nous, s'il n'y a pas de plus là. Sassio, 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 Sassandra. Quelle belle sublime Sassandra. Sassio, Sassio, Sassio.
bateau, supportant la souffrance sans jamais se laisser abattre.